Собранные в этом фильме уникальные кинокадры донесли до наших дней отдельные мгновения жизни Владимира Ильича Ленина. Camarades, le thème de notre causerie d'aujourd'hui, selon votre plan d'étude qui m'a été remis, est celui de l'État. J'ignore jusqu'à quel point cette question vous est déjà familière. Si je ne me trompe, vos cours viennent de commencer, et c'est la première fois que vous abordez ce sujet d'une façon suivie. Cela étant, il se pourrait fort bien que dans ma première conférence sur cette question si difficile, mon exposé ne soit ni assez clair ni assez intelligible pour beaucoup de mes auditeurs. S'il en était ainsi, que cela ne vous trouble pas, car le problème de l'État est un des plus complexes, un des plus difficiles qui soit. C'est peut-être celui que les savants, les écrivains et les philosophes bourgeois ont le plus embrouillé. Aussi ne doit-on jamais s'attendre à réussir, au cours d'une brève causerie, à l'élucider entièrement d'emblée. Après la première causerie sur ce sujet, il convient de noter pour soi les passages non compris ou obscurs, afin d'y revenir une deuxième, une troisième, une quatrième fois, afin de compléter et d'élucider plus tard, par la suite. Ce qui était resté incompris, tant par des lectures qu'aux conférences et aux causeries. J'espère que nous aurons de nouveau l'occasion de nous réunir et qu'alors nous pourrons procéder à un échange de vues sur toutes les questions qui seront venues s'y ajouter, tirer au clair ce qui était resté le plus obscur. J'espère aussi que pour compléter les causeries et les cours, vous consacrerez un certain temps à lire au moins quelques-uns des principaux ouvrages de Marx et d'Engels. Je suis certain que dans la liste des livres recommandés et dans les manuels mis par votre bibliothèque à la disposition des étudiants de l'école d'administration et du parti, je suis certain que vous trouverez ces principaux ouvrages, bien que, là encore, les difficultés de comprendre l'exposé puissent au premier abord rebuter certains, je dois une fois de plus vous prévenir qu'il ne faut pas que cela vous trouble, que ce qui n'est pas clair après une première lecture le deviendra à la seconde lecture, ou lorsque vous aborderez la question d'un autre côté. Je le répète, cette question est si compliquée et si embrouillée par les savants et les écrivains bourgeois, que quiconque veut y réfléchir sérieusement et se l'assimiler par lui-même, doit l'aborder à plusieurs reprises, y revenir encore et encore. La considérer sous ses différents aspects pour en acquérir une intelligence nette et sûre. Il vous sera d'autant plus facile d'y revenir que c'est une question à ce point essentiel, à ce point capital de toute la politique que vous vous y heurtez toujours, quotidiennement dans tout journal, à propos de tout problème économique ou politique, non seulement à une époque orageuse et révolutionnaire comme la nôtre mais aussi aux époques les plus calmes. Qu'est-ce que l'État? Quelle est sa nature? Quel est son rôle? Quelle est l'attitude de notre parti? Du parti qui lutte pour renverser le capitalisme? Du parti communiste? À l'égard de l'État, chaque jour, pour telle ou telle raison, vous serez amené à cette question. Ce qu'il faut surtout, c'est que vos lectures, les causeries et les cours qui vous seront faits sur l'État, vous apprennent à aborder ce sujet par vous-même, car il se posera à vous à tout propos, à propos de chaque question mineure, dans les imbrications les plus imprévues, dans vos causeries et vos discussions avec vos adversaires. C'est seulement le jour où vous aurez appris à vous orienter par vous-même en cette matière que vous pourrez vous considérer comme suffisamment ferme dans vos convictions et les défendre avec succès devant n'importe qui et à n'importe quel moment. Après ces brèves remarques, je passerai à la question même, qu'est-ce que l'État?
comment il est apparu et quelle doit être, pour l'essentiel, l'attitude envers l'état du Parti communiste, parti de la classe ouvrière, qui lutte pour le renversement complet du capitalisme. J'ai déjà dit qu'il n'est sans doute pas une question qui, sciemment ou non, ait été aussi embrouillée par les représentants de la science, de la philosophie, de la jurisprudence, de l'économie politique et du journalisme bourgeois. Très souvent, et aujourd'hui encore, on y fait intervenir des questions religieuses, très souvent, les tenants des doctrines religieuses, ce qui est tout naturel de leur part, et aussi des gens qui se croient affranchis de tout préjugé religieux. Mais le problème particulier de l'état des questions de religion, ils tentent d'édifier une théorie bien souvent complexe, s'appuyant sur une conception et une argumentation d'ordre idéologique et philosophique. Théorie selon laquelle l'État serait quelque chose de divin, de surnaturel, on ne sait quelle force vivifiante de l'humanité, qui confère ou doit conférer aux hommes, apporte avec soi, quelque chose qui n'a rien d'humain, qui lui vient du dehors. Bref, une force d'origine divine. Et il faut dire que cette théorie est si intimement liée aux intérêts des classes exploiteuses, propriétaires fonciers et capitalistes, elle sert si bien leurs intérêts, elle a si profondément imprégné les habitudes, les opinions, la science de messieurs les représentants de la bourgeoisie, que vous en trouverez des vestiges à chaque pas, et jusque dans la conception que se font de l'État les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, qui repoussent avec indignation l'idée qu'ils sont sous l'emprise de préjugés religieux, et qui sont convaincus de pouvoir considérer l'État avec une parfaite lucidité. Si cette question est si embrouillée et si compliquée, c'est parce que, plus que tout autre, elle touche aux intérêts des classes dominantes, ne le cédant à cet égard qu'au principe de la science économique. La théorie de l'État sert à justifier les privilèges sociaux, à justifier l'exploitation, à justifier l'existence du capitalisme. Ce serait donc une grosse erreur d'espérer qu'on fît preuve d'impartialité sur ce point, d'envisager ce problème comme si ceux qui prétendent à l'objectivité scientifique pouvaient vous donner à ce sujet le point de vue de la science pure. Dans la question de l'État, dans la doctrine de l'État, dans la théorie de l'État, vous retrouverez toujours, quand vous vous serez familiarisé avec cette question et l'aurez suffisamment approfondie, la lutte des différentes classes entre elles, lutte qui se reflète ou qui se traduit dans celle des différentes conceptions de l'État, dans l'appréciation du rôle et de l'importance de l'État.